5 mois pour apprendre le métier de cuisinier, c'est le pari du restaurant pédagogique La Marmite, installé depuis quelques mois dans le quartier Croix-Rouge à Reims. Des élèves adultes au parcours différent qui n'auront pas de mal à trouver du travail après leur formation. Isabelle Forboto, Claudine Crène. Naba, tu nettoies ton plan de travail. On va attaquer maintenant les toasts chèvre frais, basilic et tomates séchées. D'accord ? C'est une première pour les apprentis cuisiniers de La Marmite. Pas de menu du jour, mais un cocktail à préparer pour une réception au sein de leur restaurant pédagogique. Pendant 5 mois, ces adultes découvrent ou approfondissent le métier de cuisinier. Le certificat de qualification professionnelle à l'issue validera leurs 5 mois de formation. J'ai travaillé déjà 9 ans et demi en restauration. Le fait de repasser un diplôme, ça permet d'avoir plus d'expérience en fait. Puis c'est recherché par tous les recruteurs parce que c'est un métier qui manque de personnel et les recruteurs recherchent beaucoup en fait. C'est surtout ça qui me motive d'ailleurs de faire la formation puisque je sais que c'est un métier qui est beaucoup recherché en ce moment. Et moi j'ai envie de bosser dur, voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire la formation. Côté salle, Jennifer, la formatrice du Greta, accompagne Nadia pour la mise en place du service. Il y a des personnes qui vont te dire « Ah non, non, merci, je ne bois pas d'alcool, je ne veux pas de champagne ». Donc dans ces cas-là, c'est à toi à proposer aux clients s'ils veulent quelque chose d'autre. Au total, une dizaine de stagiaires est accueillie par session avec la possibilité de se former à la cuisine, au métier de serveur, de barman et même de pizzaïolo. Des petits groupes qui favorisent une formation presque individuelle. Comme on peut retrouver dans les formules d'alternance, les personnes qui font des contrats d'apprentissage, elles ont une partie d'enseignement théorique, une partie en entreprise. Là, on reproduit ça à petite échelle avec une période de mise en situation. Nadia est arrivée depuis 2 mois au sein de la formation. Sa maîtrise de la langue française n'est pas parfaite, mais ce n'est pas un frein. Très concentrée au moment du service, elle doit se souvenir des noms de chaque toast pour ainsi les présenter aux clients. Elle fait beaucoup d'efforts. Alors c'est vrai qu'il y a des termes culinaires qu'elle ne connaît pas au niveau de la gastronomie française. Donc on lui apprend comme là au niveau de la marinade de la sardine. Je lui ai expliqué ce que c'était. Il y a des petits mots techniques comme ça où je suis obligée de revoir avec elle. Avec 100% d'embauche pour les serveurs de la première session de formation, le restaurant pédagogique La Marmite ouvre de vraies perspectives d'avenir.